Oui, mais en difficulté, Amara, il perd la balle, récupéré par Gilles Sauter qui l'a lâché, pour de Marcus Alston, c'est un 3 contre 1. Et un énorme dunk de Livio Jean-Charles. Et voilà, qui lance bien la rencontre, hein, Livio Jean-Charles avec agressivité. Vous savez, David, que cette finale entre l'ASVEL et Monaco, ouais, ce n'est pas une finale inédite. C'est du Benitis. Benitis. Oh, qui s'en sort bien. Il a perdu la balle et il la récupère en l'air sans faire de marché. Bost. Passif, hein. Beaucoup de rebonds offensifs, on l'a vu à l'instant avec la stat. Trop. De Villeurbanne. Incroyable séquence à 4 points pour Adrien Payne. Eric Buckner, il est allé trop loin dans ses bras. Un rebond offensif, Sacha Obradovic qui demande à ses joueurs d'être plus durs quand ils ont le ballon. Voyager loin. Payne, Malédon, joli. L'extra passe de Thomas Malédon pour le show d'un 3 points de Mantas Cagnetti. Par les Monégasques et en bout de chaîne, c'est Cagnetti qui met une petite filoche. Et premier petit écart. Il n'est pas bien gros, mais néanmoins, plus 6. Dibost, Robinson, Buckner. Bon. Le contre de Adrien Payne. Dites-moi. Yves face à Yacouba Ouattara. Nelson. 3 secondes. Oui, on l'appelle passe de Nelson pour Livio Jean-Charles. Au bout du chrono. Pour vous rappeler qu'il y a deux joueurs à trois fautes à Monaco, c'est Jarrod Jones et Malédon. Ah, c'est pas bon, c'est extra passe. Jess Lauter. Jess Lauter. En funambule. Dans le trafic. Je crois que j'ai rarement vu Jess Lauter mettre un panier lambda, un panier tout simple. Ça ne l'intéresse pas, monsieur. Ah, magnifique. Il est là pour les highlights. Et Jess Lauter. Et c'est clair, champion avec Limoges en 2000. David Haïti. David Haïti montre le chemin. Première victoire dans cette finale de champion.